pas l'oublier. Aucun problème. Vous avez bien reçu mon formulaire, j'imagine. Oui, en fait, il me semble ne pas avoir trop de temps sur. Si, je Oui, suis victime consentante. Très bien. Alors, c'est parfait. Je voudrais d'abord dire bonjour à toutes et à tous et souhaiter également la bienvenue pour cette seconde édition des conférences midi en ligne de l'EPSI en ce mercredi 28 octobre 2020. Je voudrais évidemment remercier ma collègue Loubna Daraz et aussi les étudiants Caroline Dubé et Andréane Gagné avec qui sont organisées ces activités. La conférence va être enregistrée et il faut aussi souligner que cette conférence-ci s'inscrit dans la foulée des célébrations qui entourent la Semaine du libre accès qui vient d'avoir lieu. Alors, c'est vraiment avec un très grand plaisir que nous accueillons Jean-Claude Guédon aujourd'hui, qui est professeur honoraire de l'Université de Montréal et qui est un pionnier, un pilier véritablement dans le domaine du libre accès. Alors, il a lancé avec quelques collègues une revue électronique qui s'appelle Surface et qui est l'une des premières revues scientifiques du monde et la première au Canada à avoir été diffusée en numérique et en libre accès. Alors, c'est une initiative qui a duré une dizaine d'années et on peut aujourd'hui la consulter sur le site d'Érudit. Il a participé à la rédaction de l'initiative de Budapest, ce qui est extrêmement important, en 2002, qui est le point de départ officiel du libre accès. Et puis, il a successivement été membre du Information Program de la Open Society Foundation, qui a financé les débuts du libre accès. Il a été aussi vice-président de la Fédération des sciences humaines et sociales du Canada. C'est un expert à la Commission européenne depuis 2008. Il a présidé entre 2017 et 2019 le groupe d'experts qui est chargé d'étudier l'avenir de la communication et des publications savantes. Et cette année, il a été élu au conseil scientifique d'un grand projet européen, OPERAS. Alors, la conférence d'aujourd'hui s'intitule « Libre accès et sciences ouvertes, quel rôle pour les bibliothèques de recherche? » Alors, merci encore Jean-Claude d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole. Merci Marie, c'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous me faites. Je suis vraiment très heureux de pouvoir m'adresser à cet auditoire et en fait, j'ai une bonne dose d'affection quand même hein, pour cet auditoire de mon université. Alors, bonjour à tout le monde et essayons de voir un peu ce qu'on va faire ensemble dans les prochaines minutes. J'ai commencé par une question un peu provocatrice qui pose une sorte de menace existentielle sur la tête des bibliothèques en disant, y aura-t-il encore un rôle pour les bibliothèques de recherche dans 10 ans? Et évidemment, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'il peut poser une telle question? On est là, on existe depuis très longtemps, etc. Je pense que la question mérite d'être quand même étudiée de près, car vous allez le voir par une petite démarche historique. On va voir que le rôle des bibliothèques s'est beaucoup réduit dans les dernières décennies et que d'une certaine manière, son rôle est devenu très, très, très difficile. Alors, regardons cet historique. Passons d'abord par la période avant le numérique, c'est-à-dire en gros avant, disons, 1995, par là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, très, très rapidement. La Deuxième Guerre mondiale signale une accélération foudroyante de la recherche, des fonds de recherche et donc des publications de recherche. Le résultat de ça, c'est que les sociétés savantes qui jusque-là dominaient la publication savante dans le monde, en tout cas l'Atlantique Nord, si vous voulez, l'Europe et l'Amérique du Nord, ne tiennent pas le coup. Elles n'arrivent pas à répondre entièrement à la demande. Et les maisons d'édition commerciales, avec Robert Maxwell en particulier, dont la fille actuellement défraie encore les chroniques, puisqu'elle était en prison actuellement pour des histoires assez peu recommandables qui se situent dans les franges de Trump,
mais on passera ça de côté pour aujourd'hui. Maxwell est l'un des grands inventeurs de la nouvelle présence commerciale dans l'édition savante dans cette période-là. Peu de temps après, dans les années 60-70, Garfield monte le Science Citation Index et le Journal Citation Record, Report plutôt, et donc du même coup, l'édition commerciale trouve sa façon de se placer parce qu'ils arrivent par ce moyen-là, par le moyen des classements de revues, à aligner une logique commerciale, c'est-à-dire une concurrence à l'intérieur d'un marché, sur une logique scientifique qui est une concurrence, une compétition d'allure intellectuelle. Je dis bien d'allure parce que tout ça est lié sur des citations, sur la mesure des citations, et on ne sait pas trop ce que ça mesure. Est-ce que c'est la visibilité, le prestige, la qualité intellectuelle, l'excellence. Tous ces termes-là flottent autour du facteur d'impact, mais personne ne sait quoi en faire. Et donc, en même temps, pour les bibliothèques, tout ça aussi se traduit par quelque chose qui va devenir une grande préoccupation pour les bibliothèques, une augmentation rapide des prix d'abonnement. Avec l'arrivée du numérique, on a d'autres choses qui viennent bouleverser le paysage. On a d'abord le big deal, c'est-à-dire les bouquets de revues, et ceci correspond non seulement à une nouvelle mise en marché des revues numériques, mais ça correspond à une baisse de l'influence des bibliothèques. Les bibliothèques, au lieu d'acheter physiquement des journaux, des revues, commencent à négocier des licences d'accès. Et en plus, avec le big deal, tout ça se fait sur un mode de bouquet. Et donc, la notion de constituer une collection adaptée à un public local commence à baisser en importance. En même temps, les bibliothèques tentent de résister à la montée continuelle des prix en formant des consortiums. Vous connaissez tous le RCDR au Canada qui avait commencé dans les années 99 à peu près. Donc, perte de contrôle sur la constitution des collections, sur la fonction de préservation, les éditeurs commencent à se charger de ça eux-mêmes, et ce qu'on appelle en anglais le OPAC, le Online Public Access Catalog, se voit graduellement marginalisé par des dispositifs beaucoup plus globaux du genre Google ou même OCLC. Donc, en même temps, avec l'arrivée du numérique, on voit qu'un certain nombre de chercheurs commence à explorer les possibilités du numérique et le font sous la forme du libre accès. Mon collègue Stéphane Arnade à l'UQAM est un des grands pionniers de ce mouvement avec Psycholoquy, par exemple. En même temps, des compagnies commerciales commencent à explorer la question du libre accès et commencent à explorer des plans d'affaires adaptés au libre accès. Le Article Processing Charge qui devient du même coup le plan d'affaires privilégié du libre accès commercialisé, et ceci dès 1999, ce dont peu de gens se souviennent en fait. Alors là arrive quelque chose qui a été mal vu par l'ensemble des commentateurs, y compris par moi pendant très longtemps, c'est que dans cette période de montée du libre accès vers 2001, 2002, 2003, etc., on voit une énorme divergence qui s'installe, un immense quiproquo entre les chercheurs et les bibliothécaires. Les bibliothécaires ont été vraiment obnubilés par la question des prix, des coûts d'abonnement et ainsi de suite, et voient dans le libre accès peut-être un outil de résistance face à cette montée des prix. Les chercheurs, pour leur part, dans la mesure où ils s'intéressent au libre accès, vise un accès plus large et plus rapide, et on pourrait même ajouter plus fiable, à l'information scientifique. Et ceci a créé une situation extrêmement, extrêmement peu utile pour l'histoire du libre accès. Donc, les bibliothèques, pour essayer de faire levier sur les éditeurs, ont commencé à appuyer la création de dépôts institutionnels, mais les dépôts institutionnels n'ont pas du tout fait bouger les maisons d'édition. Ça n'a pas marché. Et les maisons d'édition, d'ailleurs, ont partiellement neutralisé ces institutions par des systèmes d'embargo, ce qui faisait que tout n'arrivait que très tardivement et ne jouait plus un rôle très important dans la documentation de dernière date.
Et en même temps, les chercheurs se sont montrés peu enthousiastes pour les dépôts institutionnels parce qu'ils ne voyaient pas là comment nourrir une stratégie de carrière maintenant, c'est-à-dire comment est-ce que j'obtiens ma promotion, ma permanence, mes subventions de recherche, parfois même des prix. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs se sont en fait largement détournés du libre accès, et ceux qui se sont tournés vers le libre accès et se sont tournés vers le numérique, mais ils l'ont fait de deux manières différentes. Ou bien ils ont essayé d'inventer des revues qui tiraient avantage de ce qu'on appellerait dans le jargon des sociologues de la technologie les affordances du numérique. Par exemple, je reviens au Psychology de Stéphan Arnald qui innovait de manière assez radicale par rapport à l'idée classique de la revue telle que bien établie depuis le 19e siècle en fait. Et puis par ailleurs, beaucoup de chercheurs, je pourrais me mettre dans cette catégorie-là en pensant à Surface, cherchions à l'époque à ne pas faire grand-chose d'autre qu'adapter le numérique à la notion de revue savante. Le numérique ne devenait plus qu'un outil pour faire des revues moins chères, mais mieux distribuées et ainsi de suite, mais pas quelque chose de neuf, pas quelque chose d'adapté à la recherche en elle-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, les revues savantes elles-mêmes correspondaient à une adaptation de l'imprimerie au processus en élaboration de la recherche scientifique et non pas l'inverse, l'adaptation des... conduisait à une modification profonde de la communication entre savants, puisque les savants, avant l'imprimerie, ne savaient qu'envoyer des lettres, s'envoyer des lettres les uns les autres. C'était une culture épistolaire, en fait. Donc, on a d'un côté des chercheurs qui sont membres de comités éditoriaux, de revues commerciales ou non commerciales, et eux continuent à nourrir, bien sûr, ce qui les intéresse, c'est la concurrence entre revues, puisque de la concurrence entre revues naît la réputation de la revue, et puisque de la réputation de la revue commence à naître toute une série de réputations, comme nous allons voir très bientôt dans une diapositive subséquente. Et puis, par ailleurs, les chercheurs, eux, sont très divisés entre eux et, en fait, ont beaucoup de mal à faire entendre leur voix. Pendant ce temps-là, les maisons d'édition, commerciales ou non, d'ailleurs, les sociétés savantes, peut-être encore plus frileuses que les autres, n'ont pas tellement cherché à innover et personne n'a cherché à innover du côté des maisons d'édition, cherché à simplement vendre des revues classiques numériquement. Le portail de revues, qui n'est rien d'autre qu'une sorte d'étagère virtuelle, est une des rares innovations conceptuelles notables à cette époque, mais c'est en fait un guichet unique pour aller voir quelles revues on veut acheter chez un fournisseur particulier. Et entre 1999, si vous voulez, et 2005, en gros, le libre accès ne se manifeste que par des débats, surtout entre maisons d'édition et bibliothécaires. Et les maisons d'édition, grosso modo, rejettent le libre accès. Les bibliothèques, pour leur part, n'arrivent pas à faire baisser les prix. Et puis, les chercheurs, eh bien, ils se cherchent, pour faire un mauvais jeu de mots. Alors, seule exception notable dans tout ça, il y a du refus au libre accès. On voit quand même deux innovations, deux entités qui innovent de façon intéressante. J'ai déjà mentionné Biomed Central, qui est un commercial et qui essaye de faire marcher sa boîte sur la base des Article Processing Chargers, les APC, et puis se crée dans dans la foulée d'une pétition qui avait raté son coup, le Public Library of Science, qui va devenir un éditeur non commercial d'un nouveau genre, qui va innover d'ailleurs un peu plus tard avec Plus One, mais qui lui aussi va utiliser à fond les APC. Vers 2005, un des travailleurs de chez Biomed Central, Springer, et Springer va d'ailleurs acheter Biomed Central
Et ce personnage, c'est Jan Velterop. Et Jan Velterop, qui d'ailleurs est un des signataires de la déclaration de Budapest, qui est quand même assez étonnant, est l'un des créateurs des revues dites hybrides, où l'on retrouve les APC qui avaient été inventés par Vitek Tratch. Donc, on voit chez Springer apparaître des revues avec abonnement, mais qui aussi offrent la possibilité pour les auteurs d'acheter le coût de la publication. C'est pour ça qu'ils deviennent, ces articles deviennent se retrouvent en libre accès, et ces revues, du même coup, sont appelées hybrides. Tout ça a été l'objet de débats interminables entre bibliothécaires, chercheurs et maisons d'édition, sous le nom général du débat qui est bien connu, vous le savez sans doute, ça s'appelait le « double dipping », voulant dire par là que les éditeurs pouvaient en fait créer une deuxième source de revenus qui permettait d'augmenter les profits. Donc à partir de ce moment-là, avec les APC et en particulier, on a un système de débat qui va se relancer jusqu'au moins vers 2015. En fait, il est encore vivant actuellement. Depuis 2005-2006, on assiste aussi à de grandes manœuvres par les maisons d'édition pour prendre le contrôle du libre accès, car rien n'est mieux que pour gagner une bataille que de la reprendre l'élément essentiel à son compte et simplement le former de telle manière qu'il ne puisse pas gêner votre objectif fondamental. Alors, dans ce but, le vocabulaire a vu des transformations apparaître. Par exemple, cette forme très particulière de gold, c'est-à-dire des revues en libre accès, qui s'appuie sur le plan d'affaires des article processing charges. J'ai envie toujours de l'appeler, moi, des article publicity charges ou prestige charges. C'est rebaptisé tout bêtement gold. Tout le gold devenait simplement APC gold, et du même coup, l'APC gold était comme familiarisé, rendu naturel pour tout le monde. La quête continue de profit elle-même est maintenant rebaptisée sustainability. Les compagnies ne parlent jamais dans les débats, et je m'en suis bien rendu compte à Bruxelles quand je présidais ce comité d'experts, les représentants des compagnies ne parlaient jamais de profit, mais parlaient toujours de sustainability. Évidemment, la litote fait sourire les gens un peu avisés. Et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le mot sustainability pour une bibliothèque? Une bibliothèque a toujours son budget, plus ou moins réduit, mais il est toujours là. Et la bibliothèque, elle, ce n'est pas la sustainability qu'elle cherche, c'est de voir ce qu'elle peut arriver à faire avec son budget, ce qui est entièrement différent d'une compagnie. Donc, on pourrait dire que dans cette situation où les bibliothèques ont perdu énormément de contrôle sur le processus d'organisation de la communication scientifique et les maisons d'édition ont au contraire augmenté leur influence dans ce genre de situation, eh bien, on pourrait dire que les maisons d'édition ont cherché aussi à maintenir les bibliothèques, mais dans un rôle très particulier, qui est celui d'interlocuteur privilégié dans une relation où les bibliothèques, finalement, sont ramenées au rang de gens qui négocient l'achat de quelque chose. Une licence d'accès, des systèmes de publication et de lecture plus récemment, mais aussi, bien sûr, des abonnements, y compris des big deals ou pas de big deals, et ainsi de suite. Vous savez qu'à l'Université de Montréal, les débats autour du Big Deal et la déconstruction des Big Deals par Richard Dumont, grand événement en soi d'ailleurs, représentent en même temps une situation où les bibliothèques sont toujours bien prises dans le rôle limité d'interlocuteur des grandes maisons d'édition, comme s'il n'y avait rien d'autre à faire pour les bibliothèques de recherche dans le monde numérique qui est en train de se déployer. Et bien sûr, en même temps, les chercheurs demeurent divisés entre ceux qui ne s'intéressent pas au libre accès, ceux qui sont en fait des complices du système actuel en étant dans les comités éditoriaux des grandes revues commerciales, et ceux évidemment qui ont compris et qui essayent de lutter un peu contre tout ça. Donc, on a d'un côté une situation où du côté des chercheurs, à cause de la concurrence entre les revues, ils sont soumis à une concurrence eux aussi. Alors, je suis un grand chercheur et je mérite
une subvention de recherche, une promotion ou une permanence parce que j'ai mis mon nom dans une revue savante prestigieuse ou visible ou internationale, ça dépend des pays et des situations, mais ce sont les noms qui circulent. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette structure de concurrence qui gère le comportement et les carrières des chercheurs se retrouve à une plus grande échelle parmi les institutions. Si vous regardez un peu les classements d'universités par Shanghai, par le Times, et ainsi de suite, vous voyez que nos universités sont complètement obnubilées, je dirais hypnotisées par leur rang. Ces rangs se bousculent terriblement d'une année à une autre parce qu'évidemment, ils ne veulent pas dire grand-chose, mais pour les institutions, c'est très important. Et c'est important parce que ces institutions, souvent, dépendent de subventions ou de soutien ou de financement au niveau d'un gouvernement. Et les pays eux-mêmes sont également classés. Et vous voyez toute une sorte d'étagement de concurrence s'est ainsi mis en place, un peu comme les poupées gigognes de la tradition russe. Et tout le monde est pris dans le même système et tout le monde est en train de répondre à ce système de concurrence où la concurrence entre revues joue un rôle primordial. Et tout ça est géré, alors c'est ça qui est le comble, par des maisons d'édition largement commerciales qui s'appuient sur des dispositifs eux-mêmes commerciaux. Je pense au Web of Science qui est maintenant entre les mains d'une compagnie qui s'appelle Clarivate, et puis de Scopus qui en plus dans le code Scopus est géré par un grand éditeur lui-même, Elsevier. Alors les maisons d'édition et ces deux grands ensembles, et peut-être dans une certaine mesure pourrait-on dire Google Scholar, encore que son rôle est beaucoup plus subtil et plus, un peu plus éloigné de ce genre de système, c'est ce qui crée la situation où la concurrence dite intellectuelle s'aligne avec la concurrence commerciale et permet aux grands éditeurs de gérer leurs plus grands profits. J'allais dire profit, j'aurais dû dire sustainability, car de profit, vous le savez, il ne faut jamais parler en public lorsque l'on est poli. Alors, voilà la question fondamentale, c'est que dans une situation où les bibliothèques ont perdu énormément de leur contrôle et même de leurs moyens d'action, et on a cette emprise, comment s'en libérer et quels seraient possiblement les rôles pour les bibliothèques dans les années à venir? Bien, il me semble que la réponse peut tenir en deux observations. Il existe un type d'institution qui ne subit pas au moins directement la contrainte de la concurrence qui gère les chercheurs, les laboratoires, les institutions, les pays, ce sont les organismes subventionnaires de la recherche. Et parmi eux, il y en a un sous-ensemble qui est encore plus libre de tout ça que les autres. Ce sont les organismes subventionnaires de la recherche qui sont liés à des fondations ou à ce qu'on appelle en anglais des charities. Je pense par exemple à la Hughes aux États-Unis, Wellcome en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Il y en a au Canada, mais elles sont beaucoup moins puissantes. Là, on a donc peut-être un partenaire intéressant à garder en tête, qui n'est pas le genre de partenaire auquel les bibliothèques pensent très spontanément, normalement. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, si vous pensez à la communication scientifique ou à la publication scientifique, qui en fait dispose des fonds de base avec lesquels on peut faire marcher toute cette mécanique, eh bien, ce sont les organismes subventionnaires de la recherche, ils payent pour la recherche, et ce sont les bibliothèques qui payent pour les instruments de communication de la recherche. Donc, les deux ensemble, en fait, disposent de l'ensemble de tout l'argent nécessaire pour faire marcher la recherche. Les éditeurs, eux, se sont simplement posés quelque part de façon à pouvoir bénéficier, profiter de la situation, en plus en créant une situation que les économistes appelleraient une situation de rente, c'est-à-dire une situation de profit absolument assuré. Avec le numérique, le processus de publication de son côté, c'est mon deuxième point, peut être déconstruit et réassemblé autrement.
Je vous rappelle qu'un processus de publication, minimalement depuis Oldenburg au XVIIe siècle, c'est grosso modo l'enregistrement, la certification, la préservation et la dissémination. Quelquefois, l'évaluation apparaît aussi, mais c'est quelque chose de plus compliqué et nous allons y revenir plus tard. Gardons ces quatre possibilités simplement. Donc, pour les bibliothèques, cela veut dire, me semble-t-il, plusieurs choses. Se rapprocher des organismes subventionnaires, se rapprocher des presses non commerciales, en particulier universitaires et sociétés savantes, s'impliquer dans le processus de publication, en particulier pour l'enregistrement, je vais revenir là-dessus, et pour la préservation, et peut-être plus encore, comme nous allons le voir. J'accélère un peu parce que je vois que le temps passe rapidement. Donc, les bibliothèques peuvent, et c'est peut-être une des premières choses qu'elles devraient faire, c'est moissonner la production intellectuelle locale et l'enregistrer publiquement. Il y a une université en Belgique qui a fait ça de façon mandatée, de façon obligatoire, c'est l'université de Liège, qui a dit en fait quelque chose de très très simple et qui devrait être répété dans toutes les universités du monde, c'est de dire, lorsque vous présentez un dossier dans à vos comités locaux de promotion, de permanence, etc., eh bien, il devrait y avoir une contrainte, une condition très précise qui est que ce que vous mettrez dans vos publications et vos travaux ne comptera que si ces travaux ont été enregistrés dans le dépôt institutionnel local. Donc, du même coup, les dépôts institutionnels locaux commencent à voir les contributions des travaux des chercheurs augmenter rapidement. Et dans le cas de Liège, j'avais remarqué que rien que en mettant en place cette politique, ils avaient presque doublé le nombre de publications qu'ils pouvaient repérer dans une année. Et donc, vous voyez que même pour les organisateurs, les administrateurs d'une université, c'est peut-être quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous pouvez organiser en tant que bibliothèque, hein, les métadonnées et tout ça, sur une plateforme. Et là, je ne vais pas m'étendre sur la notion de plateforme, mais une plateforme, c'est beaucoup plus qu'un portail. Ce n'est pas simplement une étagère virtuelle, c'est également quelque chose qui est accompagné d'algorithmes et qui permet de faire toutes sortes de choses pour lier les textes entre eux, leur donner une signification, leur créer une densité d'écho, de réaction les uns par rapport aux autres. En fait, de créer, si vous voulez, virtuellement des revues qui correspondraient à des problèmes et à des communautés, mais pas des revues au sens devenu classique du terme, c'est-à-dire des revues marchandises. On aurait des vraies revues intellectuelles, des vraies revues conçues pour la vie scientifique. Ensuite, on peut placer cette plateforme dans un réseau de plateformes avec d'autres bibliothèques de recherche, et c'est là que le grand changement va être le plus difficile peut-être pour les bibliothèques, c'est de s'imaginer toujours en réseau et non pas simplement dans un régime de concurrence avec d'autres bibliothèques en disant « nous sommes une plus grosse bibliothèque qu'une autre bibliothèque » et ainsi de suite. Tout ça, c'est une perte de temps, ça ne sert personne. Alors que si les bibliothèques travaillent vraiment en réseau, accélèrent et intensifient leur volonté de travailler en réseau, elles auront la possibilité de vraiment offrir de nouvelles choses au monde de la recherche. Donc, en faisant en gros ce que je viens de décrire, trop vite, bien sûr, je n'ai pas le temps, mais c'est ce que les bibliothèques deviennent ce qu'on appelle des « inside-out libraries ». Imaginez une peau de lapin qui a été retournée, la bibliothèque s'est retournée, et voici qu'au lieu d'acheter de la documentation venant de n'importe où dans le monde, à l'extérieur de la bibliothèque pour l'offrir aux gens à l'intérieur, on fait plutôt l'inverse, on va chercher ce que les gens à l'intérieur produisent, et on s'arrange avec d'autres bibliothèques pour le rendre utile, repérable, indexable, récupérable, etc., pour les chercheurs. Vous voyez le sens de cette formule de bibliothèque retournée au sens de retourner une peau de lapin. Donc, cette idée en tête, on peut commencer à voir, par exemple, ce que pourraient faire les bibliothèques. Là encore, imaginez quelque chose de très, 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 très lapidaire. Ici, je n'ai pas le temps, mais vous pouvez mettre toute votre imagination
au profit de ce genre de processus de retournement des bibliothèques. Avec le concours des presses universitaires, établir les standards nécessaires pour la production de documents numériques, participer au JADS XML et bien d'autres choses, ainsi que les métadonnées, bien sûr. Avec le concours des chercheurs qui ont une expérience dans des comités éditoriaux, participer et contribuer au processus éditorial. Je vois très bien les bibliothèques s'impliquer très fortement dans l'Open Journal System qui justement vient du Canada et qui est très, très allié avec Erudit, par exemple. Donc, à Montréal, ça devrait être pratiquement un, comme diraient les Américains, un slam dunk au basketball. Ensuite, avec les concours de chercheurs d'autres institutions, on peut construire une couche d'évaluation par-dessus toutes ces productions intellectuelles qui ont été mises en évidence et qui ont été, si vous voulez, rationalisées dans leur production par les bibliothèques. Et de ce côté-là, je dirais, il faut voir ce que le Consortium of Open Access Repositories est en train de faire là-dessus. Et il se trouve que la directrice de ce corps vit à Montréal, c'est Kathleen Scherer. Donc, il est très facile de la contacter à Montréal, à l'EPSI, et de lui demander comment faire cette liaison entre les dépôts institutionnels des bibliothèques de recherche. Et puis finalement, si vous ajoutez OGS et CORE pour aller très, 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 très vite, et je m'excuse de la rapidité de la chose, eh bien, vous pouvez fonder ce qu'on appelle un clone de F1000 Research, une autre création au passage de Vitek Trash, qui est très, très, qui est extrêmement créatif, ce bonhomme. Il vient de vendre ça, je crois, à Wiley, si ma mémoire est bonne. En tout cas, regardez de près comment F1000 Research fonctionne. C'est un réassemblage du processus de communication scientifique et de publication scientifique, y compris le peer review, y compris les versions, y compris le processus de production d'un document publié, que, en fait, les bibliothèques avec OGS et CORE pourraient monter et pourraient se redonner un rôle. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec tout ça? Et ça va être ma conclusion. Avec cette façon de retourner les bibliothèques, de se mettre en réseau, d'intervenir dans les standards, d'intervenir pas comme évaluateur, mais comme infrastructure d'évaluation, les bibliothèques pourraient donc retrouver un rôle extrêmement important dans le monde de la recherche, un monde beaucoup plus intéressant que d'être celui d'interlocuteur dominé par les grandes maisons d'édition. Voilà mon message pour aujourd'hui. Et donc, évidemment, le libre accès et la science ouverte, j'aurais pu ajouter tout ça, sont des éléments complètement essentiels de ce retournement des bibliothèques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Claude pour ce partage qui était des plus intéressants. Je m'adresse maintenant à la communauté des participants. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient s'adresser à notre conférencier pour lui poser une question? Oui, vous pouvez. Je vous invite à ouvrir votre micro pour il vaut mieux, oui. pour le faire. Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues dans le clavardage? J'en ai. On n'a rien dans le clavardage. On a des mains levées dans les participants. Donc, Marc-André, en premier. Oui, bonjour. Une chose que je me demande, c'est que dans la manière actuelle dont fonctionne l'industrie de la publication scientifique fait en sorte que généralement les chercheurs qui publient pas dans des revues, justement, il y a un facteur d'impact élevé ou des revues qui sont indexées, etc., sont fortement désavantagés. On pense notamment à toute la science qui est à l'échelle locale ou toute la science qui provient de pays qui n'ont pas vraiment accès aux mêmes institutions, aux mêmes infrastructures, au même budget, etc., pour leur permettre de publier dans des grandes revues.
Dans ce cas-là, si on admettons qu'on est dans un monde idéal où ce qu'on réussit à mettre fin à la domination de l'industrie scientifique par les, disons, par les 5-6 éditeurs scientifiques monstrueux et qu'on remet le pouvoir aux bibliothèques, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, comment je pourrais dire ça, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec le même genre de balance de pouvoir, comme par exemple, on lit uniquement les articles qui viennent de Harvard, de Oxford, de l'Université de la Californie, etc. Et encore une fois, les chercheurs qui proviennent des institutions moins reconnues se ramassent une fois de plus à mordre la poussière. Merci beaucoup pour cette question, parce que vous êtes en plein au cœur de ce que j'essayais de viser. Et au passage, je ne cherchais pas à ériger les bibliothèques en centre d'un nouveau pouvoir. Hein, ce n'était pas ça. Non, pas du tout. Mais posez-vous la question, quand les gens sont évalués par un certain nombre d'institutions, pourquoi est-ce que ces institutions font-elles les choix qu'elles font? Eh bien, c'est parce qu'elles confondent en fait la quête d'une évaluation de qualité ou d'excellence, hein, avec une concurrence entre revues qui crée en fait un logo qui en fait fait ce qu'on appelle du branding en anglais et qui mène dans la publication scientifique une philosophie générale qui correspond beaucoup plus à la situation du Nielsen en télévision qu'à une évaluation sérieuse du travail scientifique. Donc à cause de tout ça, il y a énormément de problèmes dans la recherche actuellement qui ont été analysés. Si la caméra peut voir les choses, je vous souligne ce livre, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ce livre de Ritchie, je vous invite à le lire de près. Vous allez être complètement fasciné par la documentation dans ce livre. Il est sorti cette année. Et donc, ce n'est pas ça mon enjeu. Mon enjeu, c'est de dire justement dans cette nouvelle alliance entre l'université et leur bibliothèque et les organismes subventionnaires, c'est de dire comment est-ce que nous évaluons les gens? Comment est-ce que nous allons vraiment évaluer les gens? Et il y a un travail qui se fait actuellement avec Spark aux États-Unis. J'ai entendu ça hier, en fait, de Heather Joseph, une vieille amie d'ailleurs, au passage. Et il y a les grandes universités américaines, Princeton, Harvard, etc., les organismes subventionnaires et des chercheurs qui sont en train d'organiser la manière de voir comment évaluer les gens sans passer par le nom des revues, sans s'occuper du nom des revues, en regardant vraiment la qualité du travail. Et donc, au Canada, moi, je dirais, les bibliothèques, leur premier travail, c'est de commencer à vraiment assiéger les organismes subventionnaires et leur dire, travaillons ensemble pour la question de l'évaluation. Nous ne prétendons pas, bibliothèques, d'évaluer, ce n'est pas le rôle des bibliothèques, ça, mais nous pouvons vous offrir des infrastructures qui vous permettront de réellement évaluer. Et là, si vous moissonnez la publication locale, vous la certifiez, l'enregistrez, je veux dire, et ensuite vous trouvez les moyens par des réseaux de créer une certification qui a quelques valeurs et quelques objectivités, vous commencez à faire levier sur le système. Donc, c'est là ma stratégie et ma recommandation. Il faut travailler, il y a beaucoup de politique là-dedans. Il y a énormément de travail interinstitutionnel à développer là-dessus, mais ce serait le sens général de ma réponse à votre question. Je vous entends pas. Oui, merci pour votre réponse. Je pense qu'on a une autre question de Gwendal Henry, si il veut bien prendre la parole. Oui, bonjour Monsieur Guédon. On a l'impression que ces enjeux sont bien connus dans les bibliothèques, mais peut-être un peu moins dans les revues, justement, quand on parle aux responsables de revues, de libre accès, de droits d'auteur. Comment est-ce qu'on ferait pour justement que ces enjeux-là soient amenés un peu plus, qu'on ait une compréhension à peu près équivalente? Alors, si j'avais eu plus de temps, j'aurais développé le concept de plateforme, hein, qui est généralement, malheureusement, j'ai eu de longs débats avec Kathleen Scherer là-dessus, qui est malheureusement trop souvent associée à des plateformes particulières et très sinistres, à mon avis, comme Facebook, hein, et des trucs comme ça. Mais la plateforme, fondamentalement, c'est un portail,
hein, donc une étagère virtuelle, avec des algorithmes qui permettent de relier des documents ensemble de façon à créer certains centres d'intérêt, des significations, des possibilités de navigation et même d'évaluation. Hein. Donc, on a tout un ensemble d'algorithmes là-dessus. Incidemment, il y a tout un livre qui a été publié aux presses de l'Université d'Amsterdam, disponible en libre accès sur précisément l'analyse de ce genre de rôle que les algorithmes jouent dans les plateformes. Si vous avez une vision claire de la plateforme, la revue savante, à ce moment-là, n'est plus qu'un dérivé de la plateforme. Ce n'est pas une entité indépendante. Elle ne peut plus exister qu'à l'intérieur d'une plateforme qui elle-même est en lien avec d'autres plateformes. Et donc, à ce moment-là, si la plateforme est bien conçue avec les bons algorithmes, cette revue devient à ce moment-là simplement un lieu d'intérêt pour une communauté, un type de problème, un type d'instrument, tous les points de rattachement, une granularité qui caractérise les communautés scientifiques. Ceci veut dire que dans ce cas-là, la revue n'a plus besoin de posséder ses articles. Elle a simplement besoin d'être un lieu d'hébergement d'un article de façon à guider les gens qui veulent travailler dans ce domaine par rapport aux articles intéressants. Si un article est repris par une deuxième revue sur une autre plateforme, bah parfait, ça donne encore plus de publicité à l'article, c'est magnifique ça, et il va atterrir dans une autre communauté avec d'autres intérêts et d'autres méthodes de travail, et ainsi de suite. Et vous avez donc à partir de ce moment-là la possibilité de penser à la revue comme elle l'était au 19e siècle et avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire comme un lieu de travail et d'organisation de gens qui veulent travailler ensemble. Et les articles pourraient migrer. Et une façon d'ailleurs d'en évaluer l'importance serait de voir à quel point elles sont spontanément reprises par d'autres communautés, d'autres groupes qui créeraient d'autres revues. Ces revues pourraient continuer d'exister pendant un certain temps et puis ensuite être immobilisées quand elles ne jouent plus un rôle important comme une mémoire de cette agrégation d'intérêt qui a eu lieu à un moment donné mais qui a disparu ensuite, comme on a des vieilles revues papier qui traînent sur les étagères, mais on n'aurait pas la question de, si vous voulez, de possession, de droit d'auteur et tout ça. Tout ce qui devient important, c'est l'attribution, c'est le rôle des communautés, c'est le lieu d'origine de la première communauté pour l'article, et ensuite on a des systèmes de prestige qui peuvent être liés à ça et qui peuvent transformer beaucoup la santé de la communauté, la communication scientifique. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Oui, merci. Je ne vois pas d'autres questions dans la fenêtre de clavardage. Je ne sais pas, Andréane, si toi, tu t'as repéré dans les discussions. Il y a un commentaire de Catherine Fortier, je pense, de l'Université, des bibliothèques de l'Université de Montréal, qu'on pourra, partager tout de suite. Mais peut-être, moi, j'aurais une dernière question, en fait, qui voudrait peut-être faire le lien avec la thématique de la semaine de libre accès de cette année, qui disait « Ouvrir avec intention, renforcer l'équité et l'inclusion de façon structurante ». Je voulais vous demander peut-être, d'aborder ce modèle de la bibliothèque Inside Out et puis d'essayer de voir avec nous comment ce modèle-là que vous évoquez pourrait être une manière de renforcer l'équité et l'inclusion? Oui, tout à fait. Écoutez, si vous avez, imaginez des réseaux de bibliothèques qui s'organisent dans le monde et qui commencent à moissonner la production locale. Et évidemment, ce qui peut se passer, c'est que parfois, cette production locale est disponible seulement dans une langue locale. On connaît ça au Québec. On parle français, ce n'est pas une langue très répandue dans les Amériques. Les gens se disent, oui, mais si j'écris en français, etc. Si on fait partie d'un réseau de bibliothèques, où on voit un certain niveau d'usage qui se passe, il est évident qu'on va pouvoir commencer à repérer les articles qui attirent le plus l'attention de cette communauté particulière.
Là, je parle d'une communauté linguistique. Ça pourrait être une communauté intellectuelle d'un autre genre ou d'instrumental ou je ne sais quoi, ou disciplinaire. Et donc, on a à ce moment-là une façon déjà d'avoir une hiérarchie dans la qualité perçue des productions scientifiques publiées, de façon à, disons, se repérer à l'intérieur de cette collection de documents. Et donc, puisqu'il y a certains articles qui semblent très intéressants, ce sont peut-être des articles qui mériteraient à ce moment-là d'être diffusés au-delà des limites dans lesquelles elles sont contraintes pour le moment, et donc arriver peut-être dans une autre langue ou dans une autre sous-discipline ou dans une autre communauté instrumentale, de façon à pouvoir se diffuser de cette façon-là. Donc, on pourrait imaginer que dans les réseaux de bibliothèques, il y a des systèmes au moins de traduction automatique qui permettraient aux gens rapidement d'avoir au moins une idée de quoi l'article dit. Et si l'article est vraiment extrêmement demandé, à ce moment-là, faire le vrai travail de traduction, du moins pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait les instruments automatiques pour le faire complètement. Donc, on aurait les moyens, par cette façon-là, de rétablir la possibilité de créer, disons, une disponibilité de problèmes qui, peut-être actuellement, sont étouffés par les revues actuelles. Les revues actuelles cherchent les citations. Pour chercher et chasser les citations, on va chercher les problèmes à la mode, les problèmes chauds, les problèmes prestigieux, les problèmes qui intriguent les gens. Est-ce qu'il y a de la vie dans l'univers ou des choses comme ça? Ça ne change pas grand-chose à notre vie pour le moment, s'il y a de la vie dans l'univers à quelques milliards d'années-lumière d'ici. Ça ne va pas nous faire grand ni chaud ni froid, mais ça intéresse les gens. Pendant ce temps-là, le Zika, l'Ebola, le coronavirus, pour en parler, puisqu'apparemment on en parle un petit peu ces jours-ci, c'est un peu laissé à volo pendant très très longtemps. Pensez que le virus Zika avait été identifié dans les années 40, et on a commencé à en parler vraiment sérieusement dans la recherche occidentale, disons, vers 2015. Pas avant 2012-15, par là. Donc, vous avez des phénomènes d'occultation de problèmes importants pour certains segments de la population mondiale qui sont complètement occultés ou marginalisés par notre système de publication actuel. Et par le réseau des bibliothèques que je suis en train de suggérer, au moins les choses seraient disponibles, au moins les choses seraient visibles et repérables, indexables. Et bien sûr, puisqu'elles sont en libre accès, y compris avec les données, donc sciences ouvertes, pas seulement en libre accès, on aurait un monde complet de documentation qui s'ouvrirait à nous tous. Combien d'entre vous, dans la mesure où vous lisez l'espagnol, combien d'entre vous allez spontanément chercher des articles dans Red Alic? J'aimerais bien le savoir, ça. Vous avez là 1 million d'articles à peu près en espagnol la plupart du temps, pas toujours, mais ou en portugais. Ce n'est pas très difficile à lire pour les francophones, l'espagnol et le portugais. Et qui s'en sert, hein? Là, je pense que les bibliothécaires ont un travail à faire. Oui, ben, merci. Merci beaucoup, Jean-Claude. Je vais maintenant juste partager un commentaire de Catherine Fortier qui dit que les bibliothèques de l'Université de Montréal soutiennent depuis septembre dernier le Peer Community In, un système ouvert et gratuit de révision et de recommandation par les pairs pour les prépublications récipiendaires du prix Innovation de l'IBER en 2020, mis sur pied par des chercheurs de l'Institut national de la recherche agronomique en France. Le PCI a constitué une dizaine de comités de lecture dans diverses disciplines. Ces comités auxquels participent des professeurs de l'Université de Montréal ont déjà révisé plus d'une centaine de manuscrits d'articles diffusés par la suite dans des dépôts institutionnels ou disciplinaires. En appuyant financièrement PCI, les bibliothèques de l'Université de Montréal continuent de travailler à la transformation de l'édition savante en soutenant les initiatives de publication en accès libre et plus prometteuse. Est-ce que vous voulez commenter? Je suis ravi que vous ayez donné cet exemple-là. C'est exactement le genre d'exemple que j'aurais voulu ou pu donner pour, si on avait disposé de plus de temps ce matin, mais pour alimenter l'idée justement de créer une couche
une couche d'évaluation par-dessus les dépôts institutionnels. C'est exactement le genre de rôle que les bibliothèques peuvent jouer pour intervenir sans essayer d'usurper des rôles qui n'appartiennent pas aux bibliothèques, mais pour participer et soutenir des éléments de ce qu'on appelle les processus de publication. Et donc, je vote à 1000% là-dessus. C'est excellent, c'est absolument excellent. Je suis ravi que notre université soit impliquée là-dedans. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et vraiment, j'encourage nos bibliothèques, mais aussi tout au Québec. Le Québec pourrait s'organiser en réseau et déjà alimenter l'évaluation de pas mal d'articles francophones. Et si le Québec se met à travailler avec des grands centres de recherche français comme l'INRA, l'INRIA et l'EFREMER et ainsi de suite, vous êtes en train d'entrer dans vraiment des ligues importantes où on peut faire un travail extraordinaire de mise à disposition de documentation qui a été validée et évaluée. Au passage, le dernier rapport de STM, qui est un truc très lié aux grands commerciaux, hein, c'est vraiment quelque chose de pas très, très, très recommandable de beaucoup de côtés, il y a quand même un glissement de vocabulaire qui est intéressant dans l'édition de 2018 du rapport STM, c'est qu'il ne parle plus d'évaluation pour la publication, mais il parle de navigation. Donc, en fait, ils pensent maintenant que la publication, c'est un moyen d'aider les chercheurs à naviguer la quantité de recherches, de documents auxquels nous avons accès, ainsi que les données, bien entendu, puisque tout le travail des données, dont j'ai très peu parlé ce matin, est évidemment devenu un enjeu extrêmement important de tout ça également. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Guédon, pour cette conférence, ce midi, qui va certainement susciter plusieurs conversations par la suite. C'était vraiment un grand privilège de vous accueillir aujourd'hui. Ben, je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et à vos souhaits. Oui, tout à fait. Merci. Et puis, à bientôt. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Alors, je voudrais inviter tout le monde à la prochaine conférence midi qui est en train de s'organiser en ce moment. On attend des réponses avant de vous en parler. Vous pourrez trouver l'information par le biais des réseaux sociaux, notamment la page Facebook des conférences midi, sur Twitter également. Et puis, on va évidemment partager l'information dans les listes de discussion. Alors, on se retrouve dans quelques semaines. Merci à tous et puis bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.